Écoutez bien, reculez. Allez. C'est bon. Le dernier membre des 7 à être dévoilé était faire l'institution Brick l'origine. Le dernier membre des 7 a été révélé, c'est qui? C'est l'institution ou l'origine? Ou l'origine. L'institution, c'est quoi? L'institution Brick l'origine. Faire l'institution Brick l'origine. Allez, faire l'institution Brick l'origine. Allez, le dernier membre des 7. Dernier membre des 7. Si tu sais pas, tu fais au pif, comme tout le monde. T'as une chance sur deux. Allez, au suivant. Allez, allez. Attends, lui. Il est pas passé, attends. Ah, il est pas passé. Il est pas passé. T'as 15 secondes, moi, je te rappelle. Faire l'institution Brick l'origine. C'est bon. Allez. Allez, au suivant. Au suivant, au suivant. Dis-moi surtout dès que c'est bon. J'ai pas entendu. C'est qui le dernier Le dernier membre des 7 a été dévoilé. L'institution pour le fer, l'origine pour la brique. C'est qui le dernier membre des 7 à avoir été dévoilé l'institution ou qui? Le journaliste? L'origine. L'origine. Faire l'institution Brick l'origine. Désolé. Le sol dans la brique. Comment ça? Ok. Yo, Matt, tu choisis quoi? Le dernier moment, l'institution ou l'onirisme? L'onirique, l'origine. Pas l'onirisme. Oui. Brick l'origine. Ouais, ça sert à rien, j'ai changé. Il y a un mec qui a une grenade répulsive, tout le monde est barré. Non, pas là. Non! Y'en a un qui a triché. C'est qui a gagné? L'autre il a triché, il est allé de l'autre côté, du coup il est mort. Il est trop nul. Y'en a, ils se sont fait un content. Ils se sont fait un câlin. Ah, l'autre il a triché, c'est pris un karma. Il a triché, c'est un karma. Eh oui les gars, on peut passer, ouais. J'ai gagné. Ah, Yannick, vous l'avez vu le mec, il a triché. Il est parti dans le mauvais côté. Il a cassé le mur, il a reconstruit. Il est parti. Ah là là. Allez, prochaine question les amis. Alors, avant de devenir un membre des 7, l'origine était faire le roi cube Brick un soldat de l'institut onirique. De quoi, j'ai pas entendu la question, désolé. Avant de devenir un membre des 7, l'origine était faire le roi cube Brick un soldat de l'institut onirique. Avant de devenir un membre des 7, ouais. Qui? L'origine. Ah, c'est qui? Ouais, mais je sais pas qui c'est, moi, l'origine. Ah, c'est un membre des 7. Ah, ouais, c'est comme le scientifique et tout, là, avec le masque. Oui, oui. Et alors, c'est quoi, la question?
Avant de devenir un membre des 7, l'origine était le roi des cubes pour faire. Non, pour Brick. Non, pour faire. Et Brick, un soldat de l'Institut Onirique. Ok. Moi j'ai ma réponse. Allez, tu peux passer. Faire le roi des cubes et Brick, l'Institut Onirique. Allez. Tu mets ta casse? Ah, moi j'avais choisi Brick aussi. L'institution d'Eric. Non, on est mort. Et moi non, j'ai survécu. C'est marrant en vrai, putain, je m'en rends à la deuxième question. Nul. Hop. C'est du coup j'en déduis que c'était l'institution du cube. Non, c'était le roi des cubes. Ouais, ah, le cube quoi. C'était des méchants, on rappelle bien. Mm. Cube, méchant. Et origine aussi. Onirique aussi. Institution. Ouais, c'est méchant. Y'a que les 7 en fait, ils sont gentils. Ouais. Et John. Non. Et John en fait il fait partie d'un truc lui ou c'est juste John? Là, il faisait partie de l'institution onirique mais maintenant il est avec les 7. Alors, 17ème question. Qui était la conductrice du Mecha? Alors ça c'est récent, vous devriez savoir. C'était quoi la question? Qui était la conductrice du Mecha, le gros robot là, tu sais, ah, ouais, ouais, pendant l'événement? Ouais ouais, pendant l'événement. Brick, le paradigme. Faire singularité. C'est à moi si je me trompe là, je suis un bourre. Allez, singularité c'est quoi? C'est Brick. Et l'autre? C'est le paradigme. Faire. Paradigme. Faire. Allez, au suivant. Vas-y, passe. Allez, vas-y. Attends, j'ai oublié de mettre un sol, je crois. Ah non, c'est bon. Allez, vas-y. Faire le paradigme. Non, non. Faire c'était la singularité. Et Brick c'était le paradigme. Là je vais me tromper. T'es sûr? Faire singularité, Brick paradigme. C'est ce que j'avais dit. Non, t'avais dit. Je sais plus. Il me semblait que t'avais dit Brick. Brick, paradigme, faire singularité. Oh, je crois que tu t'es trompé, non? Non, je pense pas. Non. C'était pas le paradigme. La bonne réponse. Bah si. Oh, j'ai oublié. C'est Brick, paradigme. Ah bah en fait t'es pas trompé, non. Mais ça m'embrouille la tête avec tous ces noms. Hop. Alors ça c'est l'actu fraîche. Celle que je pense que tout le monde va faire au pif parce que personne ne le sait. Ok. C'est la question la plus dure que t'avais? Non, c'est pas dur. Avec un peu du jeu tu peux savoir. Allez, okay. On écoute. Le roi des glaces est gentil pour faire, méchant pour Brick. Le roi des glaces est gentil pour faire, méchant pour Brick. Le roi des glaces est-il gentil pour faire, méchant pour Brick? Allez, qui est le premier volontaire?
Allez, vas-y. C'est qui déjà qui est méchant gentil? Le roi des glaces. Ah, le roi des glaces. Roi des glaces, roi des glaces. Aucune idée de qui c'est. Allez, au suivant. Vas-y, en voiture. Bonhomme. Bonhomme. Tu réponds quoi, toi? Je sais pas. Je vais voir. Au pif. Je prends devant. Gentil pour faire, méchant pour brique. Gentil. Ah, j'aurais dit méchant. Tout le monde a perdu en fait, à part toi. J'ai gagné! Bon, vas-y, il va falloir une dernière. Ah, ouais, vas-y, une dernière. Ah, mais ça se fait pas. Bah, vas-y. C'est qui gagne les V-Bucks? Ouais, ils ont perdu, mais vas-y. Bah, il faut bien quelqu'un qui gagne les V-Bucks. Ouais, parce qu'en fait, il y a un truc qui est sorti hier, il y a des leaks sur le comic Fortnite qui est sorti hier, et on apprend dedans que le roi des glaces voulait juste nous protéger du roi du feu. Ah oui, mais parce ça, que lui, il fallait c'est un savoir. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Donc ça comptait pas, c'était une question bonus. Alors, de la chance. Ça... Attention à la prochaine. Hein. La 19ème. Non, pas aujourd'hui. La 19ème, c'est facile. Si t'as regardé les événements, c'est très facile. Vous n'avez pas regardé. Quelle est la chose qui a le plus d'énergie dans Fortnite? Ah. Brick, le point zéro. Fer, le cube. Le plus d'énergie dans Fortnite? Le fer? Oui. Qui a le plus d'énergie? Le cube. Le fer, le cube, brique, le point zéro. Vous avez une idée? Allez. Allez, vas-y. Il va pas passer en premier. Lucas, je connaissais la réponse. Ah, bien faire le Lucas. Cube, brique, point zéro. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ce concept là, j'aime bien. Les gars, c'est simple. C'est très très simple. Si regardez juste les événements du chapitre 1. Et remémorez-vous les événements du cube et du point 0 au chapitre 1. Comment c'était différent. Allez, à toi. Faire le cube, brique, point 0, je rappelle. Allez, mais toi, tu choisis quoi? C'était quoi déjà la question? Alors, c'est quoi qui a le plus d'énergie dans Fortnite? Ah, le point zéro. Le cube, le point zéro. C'est brique alors. C'est brique. Allez, je vais à la brique. Point zéro. Je suis désolé, mais toi t'es éliminé. Oh. C'était le point zéro. Point en fait, zéro. Allez, le point zéro. Le point zéro a une énergie illimitée. Ah ouais. En fait, c'est illimité, les gars. Vous êtes fous, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait. Bon. Parce qu'il y a des... Pourquoi il y a des méchants dans Fortnite? Parce qu'ils veulent tous le point zéro, vu que c'est une source d'énergie infinie qui ne peut jamais s'utiliser. Ah ouais. C'est un truc dévastateur. T'as pas vu les événements? Genre, ça crée des trous noirs, ça fait s'effondrer les réalités et tout. Et alors le cube, que le cube, ça fait juste des explosions. Ah ouais, c'est petit à côté. Hein. Ça fait juste explosions. Ah, question piège, les gars. Allez. Alors, question 20. Question 20. Pendant quelle saison a été aperçu le point zéro pour la première fois? Le point zéro, ça est dur celle-là. Brick, c'est en saison 8, chapitre 1. Fer, en saison 9, chapitre 1. C'est soit saison 8 ou soit saison 9 du chapitre 1, quoi. Oui. Saison 8, c'est combien? C'est fer. Brick, c'est saison 9. Brick, c'est la 9. Fer, c'est la 8. Allez, saison 8 ou saison 9, la première fois qu'on a vu le cube? Attends, je regarde. J'ai noté quelque part, je l'ai noté par là. Il est fêlé. Ah, Mohamed, t'es relou, toi. Ah. Et faire saison 8, brique saison 9. Putain, tu choisis quoi, Matt? Je suis sûr que je l'ai noté par là, attends, je cherche. Non, viens là. Et psh, viens là. Attends, mais je suis sûr de l'avoir noté par là, je cherche. Saison 8 ou saison 9? Saison 8, saison 9. Ah, j'ai trouvé. Saison 9. C'est où saison 9? Brick. J'ai menti, c'est juste parce que 9 c'est mon préféré. Et vous avez tous faux. Ah, j'avais dit 8 moi. Attends, il faut faire un truc.
Comment on fait pour faire gagner le... T'inquiète, il reste une question. S'ils répondent tous les deux la même chose, on partagera avec d'autres trucs, t'inquiète. Mais on partagera avec eux deux. Que tu gagnes 150 chacun. Je sais même pas qui c'est d'ailleurs. On verra après. Bon. Saison 9. Ah ben non, Valentin, c'était saison 8. Saison 8. Alors, petite explication. Saison 8. Saison 8, parce que quand, dans l'événement où on a ramené des armes, dans la salle, il y avait le point 0. Voilà, tout simplement. Mais c'était caché en fait. 9, non, c'était en plein milieu. Bon, et saison 9, on savait pas ce que c'était quand on l'a vu ici. Non, c'est pas ce que c'était, mais c'est bah, c'est point 0 quand on l'a vu pour la première fois. Okay. Mais en saison 9, c'est le robot qui a cherché le point 0 du ouais, Nexus. Et du coup, il a fait parler de lui, on va dire, en saison 9, mais voilà. La première fois qu'on l'a réellement vu, c'est dans la saison 8. J'avais dû mal noté sur mon cahier. Dernière question. Le point 0, c'est quoi? Le centre de Fortnite pour faire le centre de l'omnivers dans la mythologie Fortnite. Dans la brique. Allez. Le centre de l'omnivers, le centre de Fortnite, tout simplement. Pour le truc. Vous dites quoi dans la chat? Vas-y, viens. Non, c'est à l'intérieur. Toi, tu dis quoi, Matt? Attends, je regarde. Dans ma mémoire. Faire, c'est quoi déjà? Faire, c'est le centre de Fortnite. Brick, c'est le centre de l'omnivers de Fortnite. Omnivers. Ok. Vous avez raison. On a gagné? Ouais. Let's go. Putain, ils sont chauds les deux là. C'est qui? Attends, je vais voir. Oh, t'as pas de sniper? On aurait pu les départager, tu sais comment? On fait une plateforme géante, on tire sur les carrés. Jusqu'à qu'il y en ait un qui tombe. C'est Paul Mbappé et... Hein? Ça te dit pas, on fait ça? Non. Ah. T'inquiète. Je vais aller dans le canal de jeu. Je vais demander s'ils ont un micro. C'est qui? C'est Paul Mbappé qui? Paul Mbappé, allô? Allô? Attends, c'est qui les derniers? Mbappé et... Un French. Et un French. Ah oui, c'est un French. Vous parlez tous les deux ou pas? Il est là. Ouais, on parle. Ok. Moi, je parle, après, je sais pas. Allez, c'est pour 300 V-Bucks, la question ultime, les amis. Et Mbappé? T'es là, Mbappé? Ah non, il est pas là. Ah bah, ça va être Mbappé, Mbappé, il parle pas. Micro, mais bon, ah, ok. Ça fait un ah, c'est pas grave, c'est pour une question. Bon, prépare-toi bien. Mais tout le monde a pas en foutu. Ça va être une question de rapidité, ok? Ok? Ou pas ok? Vous êtes prêts? Ça va... Il faut avoir la être rapide, hein. Attends, mais là, ça sert quoi? Il va falloir répondre. Si je vous pose une question, ça va être une question de rapidité. Le premier qui répond, la bonne réponse, il a gagné. Ah, je raté. Ouais. La dernière collaboration de Fortnite, c'était quoi? Oula. Mais c'est trop facile! Dragon Ball. Ouais! Bien joué. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, j'ai pas eu le tuer. La dernière collab de... Quoi, c'est pas DBZ? Mais c'est pas Dragon Ball. C'est pas Dragon Ball? Non. C'est quoi cette question? Quelqu'un a la réponse dans le chat? C'est DBZ? Bah si, c'est Dragon Ball. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans la boutique là? Ah non, je sais! C'est la danse qu'ils ont rajouté là! Ah, c'est la danse qui. Ah, je sais plus, elle fait quoi? T'as pas la réponse? Et ça, c'est pas une collab. Ah. Enfin, c'est une collab, mais avec TikTok, c'est depuis des années qu'il y a une collab avec TikTok. Là, je parle de la dernière. Mais c'est DBZ, la dernière en date. Celle qui est sortie avant-hier. Vous m'entendez? Actuellement, depuis deux jours. Ouais. Moi, One Piece? Ah, One Piece? Je l'ai, mais je ne connais plus le nom. C'est quoi cette question? Attends, ouais, je suis putain, pourquoi je suis mort? C'est un jeu vidéo. Je sais pas, voilà. Personne n'a la réponse dans le chat. C'est un jeu.
C'est pas un jeu. Ils sont dans la boutique. Il y a un skin, c'est une femme chauve. C'est... Je sais, mais... Destiny. Bon, c'est l'heure d'aller en fight, là, hein, les copains. Attends, mais je la connais en plus, j'ai trop la rage. Bon, sinon, vous départagez ça sur un fight. Bah, chaud, hein. Une autre question, vous voulez une autre question? On fait un fight, hein. Vas-y, une autre question, au pire, je sais pas, comme vous voulez. La réponse, je te déglingue. Pourquoi t'as dit Destiny? C'est quoi? C'est quoi la réponse? Le jeu Destiny. Ah ben voilà, ben j'ai gagné, à moi les 300 V-Bucks. Hihi. Tu peux garder ton argent. Une autre question. Allez, dernière question. Vous êtes prêts? Ouais. Tueur, mais pas trop non plus. Quel est votre créateur? Quel est le code créateur? Il l'a fait tout à l'heure. Comment s'appelle la réalité de Fortnite? C'est-à-dire la réalité. Oh misère. C'est trop la réalité de Fortnite. Eh, c'est le bac de Fortnite ou quoi? Oh, c'est le bac de Fortnite. La réalité dans laquelle se trouve Fortnite. Ah, je sais. Je sais. Ouais. Ça, mais non, mais le, ça commence par le M. Ça commence par non, non. C'est pas le multivers. Ça commence par attends, un mais R. Mec, c'est incroyable. Ça commence par un R et ça, y a un chiffre dedans. Ça finit par un chiffre. Bon, c'est trop dur. Hein. C'est le bac de. C'est le bac. Réponse dans la question. T'as dit quoi? La réalité 2.0. La réalité de laquelle se trouve Fortnite. J'ai dit la réponse dans la question et ça finit par un 0. Putain, je l'ai dit. Mais viens de le dire. Oh. Vous voulez que je répète? Mais tellement facile. Ah, mais oui, il a répondu Ernest. C'est Ernest qui a répondu, je croyais que c'était eux. Ouais, mais je l'ai. Il a dit quoi, Ernest? Mais la réponse. La réalité 2.0. Ça commence par un R. Ça commence par un R. J'ai dit la réponse dans la question. Je marche sur la question du chiffre. Ça finit par un 0. Non, ça finit par un 0, le chiffre, hein. pas le nom. A few moments later. C'est quoi? 2000 years late. Non, Ernest, t'as dit quoi, Ernest? Tu limites. J'avais dit la réalité, mais non, c'est pas ça. Ah, tu ne l'as pas écrit en son carnet, celle-là? Alors, faut un peu de... Et malheureusement, non. La il manque la page, en fait. Attends, j'essaie de me rappeler, mais c'est dur. Il y a 0 zéro... à la fin. Et j'ai dit la réponse à la question. Quelle est la réalité? Bah, c'est réalité 2.0, je sais pas. Mais non, putain, il y a un chiffre. C'est le point 0 pour Roy, il y en a, il a dit. 9.0. 0962 Fortnite 2.0. Mais j'ai dit ça commence par un R. Fortnite 2.0. Réalité Fortnite 2.0. Tu sais, quand le prof. Le prof il torture l'élève, tu sais plus quoi répondre, tu réponds n'importe quoi. C'était quoi déjà la question? Oh, dur ta question, oui. C'était quoi déjà la question? Réponse. C'était quoi déjà la question? R. Vas-y, on sait pas, mais on sait pas, on sait pas. Dis. Fini par le chiffre 0. C'est la réalité 0. Ah, je l'avais. Putain, mais je l'avais. Bon, on fait comment? Dernière question. C'est un fight, on fait quoi? Pas une facile. Question, si vous trouvez pas, je jette les points. Ok, on fait un fight, hein. Facile, ok. Ouais, fight. Qui est le gagnant de la World Cup 2019? Booga. Voilà, merci. Ah, voilà. Quoi? C'est super facile. C'est qui l'a dit en premier? Toi, l'a dit en premier, mais après, il l'a dit juste après. Wow. C'est French. C'est qui? C'était dur. C'est qui a gagné? C'est French. French. Ah, French. Tiens, je suis dégoûté d'avoir fait quelque chose. C'est French comment déjà le pseudo?
Ouais, je... Bah, c'est dur là, quand même, les gars. Les gars, faut que je quand même. Quand je dis, ça commence par un R, je dis dans la question, la réalité. C'est AM French. Et je le dis, ça termine par 0. Ouais, AM French 04. Limite, il avait dit la réponse, quoi. Mais il avait mis la réponse. Morty, allez, allez, go, on quitte, on va se faire du fight un peu là.